En Israël, Benny Gantz, un membre du cabinet de guerre israélien, a donné 3 semaines au premier ministre israélien pour adopter un plan d'action stratégique, notamment sur l'après-guerre dans le camp de Gaza. Faute de quoi, il démissionnera. Les forces de défense israéliennes affirment avoir tué plus de 130 militants lors d'opérations ciblées à l'est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.